tous. Donc aujourd'hui, nous allons regarder un essaim artificiel qui a été créé au mois d'avril et qui a eu du mal à se développer. Donc il est uniquement sur 8 cadres, voilà, début août. Donc j'ai mis un cadre ciré il y a 2 semaines. Je voulais voir, je veux voir s'il est bâti. Et je vais décaler la colonie pour la recentrer. Et comme ça, on va en profiter pour garder le couvain. Donc je vais faire un petit enfumage. Voilà, les abeilles sont plutôt calmes. C'est bon signe. Voilà. Bon, mais je vois que déjà, le cadre ciré n'a pas été touché. Donc pourquoi? Parce que c'est parce qu'il était en bord, sûrement. Donc je vais tout décaler et puis on va en profiter pour regarder la colonie. Bon voilà, ça c'est le cadre ciré. Donc elles n'ont pas du tout touché. Je vais le laisser à l'extérieur, sûrement que je le mettrai au milieu du couvain. Tenir comme ça miel encore. On va aller voir un petit peu ce qui est ça dit. Ouf, le cadre est très très lourd. Beaucoup de miel. Voilà, ça c'est un cadre plein de miel. Et là, ici, il y a un peu de couvain. Ok, bon, mais celui-là, il va passer en bord. Tout doucement. Voilà. Ça, c'est un cadre qui est plein de miel aussi, et qui n'est pas fini de bâtir, que j'avais mis la semaine dernière. En passant qu'elles finiront de bâtir, mais elles n'ont pas l'air de vouloir bâtir. Donc pourquoi? Remarque, il n'a pas fait très beau. C'est vrai que pendant une dizaine de jours, on n'a pas eu très beau temps. Voilà un beau cadre de couvain. Je regarde en même temps qui n'est pas la reine. Et je vois surtout que le couvain est remplacé par du miel. Donc ça doit quand même mieler assez fortement. Donc peut-être que quand même il faudra que je mette une hausse peut-être pour libérer de la place dans le corps. Ah, t'es. Tout est plein de miel. Tout est plein de miel. Donc je pense que ici je vais mettre le cadre ciré et je rajouterai en plus une hausse pour essayer de faire de la place. Pour faire de la place, voilà. Ça normalement, vu la quantité d'abeilles qu'il y a, ça devrait être très rapidement bâti et pondu. On peut voir que les abeilles sont très calmes. Beau cadre de couvain. Pourtant, au tout début, le couvain de cette ruche était du couvain en mosaïque. D'ailleurs, je me posais la question de savoir si la reine était bien fécondée, mais je vois que depuis, elle s'est bien mise à pondre. Des larves sur, et je sens que les abeilles sont un peu plus. Il doit y avoir la reine quelque part. C'est pas grave si on la voit pas, mais elle doit y être quelque part. Dernier cadre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du pollen et encore quelques mâles, beaucoup de pollen, et là ça doit être plein de miel. Ouais, pollen aussi. Allez, je vais mettre une partition
Je sais pas si je mets la hausse ou pas. Je pense que je vais attendre que celle-là soit bâtie. Si elle veut bien bâtir. J'espère que c'est pas une cire qui pose problème. Voilà, là je remets une partition. Hop. Bon, là j'ai pas eu besoin de fumer, les abeilles sont calmes. J'ai mis la cire au milieu, on va voir, on verra la semaine prochaine. Voilà, je vais refermer. Je ne mets pas de hausse, j'espère qu'elles vont utiliser.